On est ensemble. Salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Et ouais, ça faisait un petit moment, j'avais pas fait une petite vidéo réaction sur un son qui était en tendance. Enfin qui sortait quoi, à l'affût quoi. Et Ninho il y a quelques jours a sorti donc en exclusivité le premier extrait de son prochain album Destin, donc il l'a annoncé bien sûr sur Instagram hein. Bien sûr il a annoncé le nom du prochain album et bien sûr la couverture. On peut le voir où il représente le T de Destin sur une route, où je trouve franchement l'image en vrai pas mal, franchement je trouve pas mal. Et bon, j'ai pas envie de faire le mec quoi, on dirait genre c'est l'album de la maturité. Bon, le mec il est juste à son deuxième album, donc on va se calmer. Et du coup il en a profité pour faire partager le premier extrait. Et en plus, normalement d'après ce qu'il a dit, parce qu'il y a un mois il a sorti un clip Banks to Banks 6, frère, t'as annoncé un vrai truc hein. Tout s'est passé comme prévu, je prépare l'album de la terre. Là du coup, moi franchement en pulse, en vrai c'est comme une première écoute parce que je l'ai toujours pas écouté. Et sur Snap on m'a dit ouais Ninho il a sorti un son et tout, vas-y fais une petite vidéo réaction, ça pourrait être pas mal. Écoute, je vais écouter, c'est pas un clip, hein, c'est juste un son. Et on va voir ce que ça va donner frérot. Oh franchement, petit son posé hein. Voilà, c'est pas un son dans, on va dire dans la suivi du Banks to Banks, le clip qu'il avait sorti. Mais voilà, c'est du Ninho quand même, voilà, un son un peu plus posé. J'ai l'impression qu'il parle un peu aussi tu vois, de ce qui s'est passé du coup depuis son premier album où il a vraiment explosé. Et voilà, là en plus le titre c'est Goutte d'eau. Alors peut-être que tu vois, c'est entre guillemets la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois. Mais je pense aussi, il veut peut-être aussi en venir que... Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu aussi pas mal d'histoires hein, avec Ninho, là, avec l'escorte, la tepu, l'autre, je sais même plus son blaze, voilà. Ayette, vous faites tout pour ressembler à qui? Kim Kardashian. Pute! J'ai dit pute! Il y a eu pas mal de petites histoires quand même sur Ninho, on a voulu un peu à un moment donné lui donner une sale image, le salir. Mais ce que j'avais bien aimé à cette époque-là, c'est qu'il y ait pas mal de rappeurs qui aient pris sa défense, dont Dadju, enfin rappeur. Du coup, j'ai dit d'adjou... artiste. Mais non, non, plus sérieusement, il y en avait pas mal qui l'avaient défendu et tout. Et ça, j'avais kiffé. Et voilà, je trouve que Ninho, voilà, ça a l'air d'être un gars qui charbonne, qui fait pas, voilà, qui veut pas nuire à des gens, qui veut pas... Voilà, il fait son taf et il parle pas, en gros. Tu vois, il vient, il fait son taf. Ça a pas l'air d'être un mec non plus qui pense qu'à sa gueule, genre qui ferait pas croquer des gens et tout. Tu vois, après, c'est vraiment ce qui fait paraître. Et je pense qu'il doit être vraiment comme ça aussi. Donc voilà, c'est pour ça que Ninho, même si je suis pas un grand fan, on va dire, de ses sons et tout, franchement, c'est un artiste que je respecte beaucoup. Et il y a quelques sons, franchement, j'ai kiffé. Même son premier album, j'ai aimé, franchement, la totalité, franchement, de l'album. Pratiquement tous ses sons. Donc bah, franchement, Ninho, j'aime bien. Et ça, c'est un petit son posé, tranquille, tu vois. Je l'écoute, je me vois, tu vois, dans la voix. Voiture, tranquille, et voilà, en même temps il te fait un peu réfléchir, et il y a une mélodie aussi qui est un peu sombre, tu vois, c'est pour ça que je dis que je l'écoute dans la voiture la nuit, tu vois. Donc franchement il dit des vrais trucs, c'est pas un son, tu vois, que tu peux vraiment bien débriefer au bout d'une écoute. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter 4-5 fois. Donc voilà, là je fais une petite réaction de ce que j'ai écouté, voilà, une première fois. Mais franchement c'est un très très bon son, et j'espère que voilà, moi franchement j'ai aucun doute sur cet album là. Et comme il a dit que ça va être l'album, il travaille sur l'album de l'année. Moi franchement j'ai confiance en Ninho, je pense qu'il va faire beaucoup beaucoup de bien au rap français et il va faire du sale. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, n'hésitez pas aussi à donner vos avis du coup dans les commentaires hein. Dites moi ce que vous pensez du son, est-ce que vous pensez également de l'artiste hein, Ninho, parce que voilà, on va dire que bah, c'est la première fois hein, que je parle de Ninho sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas également à partager, à vous abonner, parce que c'était Hakim Abossi. Bref les gars, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking bio.